Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors oui, on est mardi et il est 9h04. Je vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'ai pas arrêté de la journée. J'ai pas arrêté de la journée. Voilà, tout simplement. Là, je suis éclatée. Hein. J'ai dormi même pas 3 heures, je crois. Riley a pas arrêté de me réveiller toute la nuit. Je pense qu'elle avait trop chaud dans la chambre et du coup, elle avait soif. Alors, elle a pas arrêté de gratter pour sortir de la chambre et je me suis pas levée parce que j'en avais marre. Et à 5 heures, j'ai quand même dû me lever parce que j'en ai marre encore plus. Week-end. Oui, je suis explosée. Hein. Je crois que ça se voit. J'ai les yeux tout rouges. Et il me pique en plus. Là, je dois attendre le facteur, je dois encore tenir 1h30 au moins, au minimum, pour que le facteur y vienne. Parce que Georges m'avait demandé de lui commander une gourde Air Up. Quand on voit le prix de la gourde Air Up, j'en ai commandé sur AliExpress. Hein. Autant vous dire que c'est beaucoup moins cher. Aller mettre 70 balles dans une gourde sans être sûr qu'il l'utilise régulièrement, c'est un peu bon. Donc samedi, vendredi, j'ai rien fait de spécial. Mon frère est venu pour avancer dans les travaux de la salle de bain. Samedi, il n'est pas venu parce qu'il devait aller faire des travaux chez quelqu'un d'autre. Et du coup, samedi, on en a profité, on a été faire quelques courses. Et on est passé chez Orange pour demander le booster de Wi-Fi parce que depuis que j'ai le nouveau PC, vu que c'est un new génération, je pompe toute la co et du coup Sam ne sait plus jouer en haut avec sa PlayStation. D'ailleurs il est descendu, là, sa PlayStation est là avec sa toute grande télé sur ma table de salle à manger, il n'y a plus de place. Donc on a été demander le booster de Wi-Fi, sauf que bah, j'ai jamais vu autant de monde le samedi au Cora. J'ai jamais vu tant de monde au Cora de toute façon, même toute la période où j'y ai travaillé, il n'y avait jamais personne dans ce magasin. Ni dans la galerie d'ailleurs. Et là, c'était blindé, blindé, blindé. Donc j'ai dû aller à l'accueil pour aller retourner un clavier, le clavier que j'avais acheté. J'ai attendu 20-30 minutes à l'accueil. Il y avait plein de monde. Alors, il y avait une adorable petite fille. Je ne sais pas de quelle origine étaient les parents. C'était clairement une origine arabe, mais je ne saurais pas dire laquelle exactement. Alors la mère était magnifique et très enceinte. Et la petite fille, oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle. Bon, le papa n'était pas laid non plus, hein, entre nous soit dit. La petite, elle était alors magnifique. En plus, elle était habillée avec un tutu. Et elle avait des longs cheveux noirs tout bouclés qui lui arrivaient jusqu'à ras des fesses. Là. Elle était sublime. Pendant ce temps-là, chérie avait commencé à faire la queue chez Orange, j'arrive, il était toujours pas passé, il y avait encore 3 personnes devant lui. On a poireauté plus d'une heure chez Orange. Et alors devant nous, il y avait un monsieur, c'était un portugais, clairement, parce qu'il crossait en portugais tout seul, il râlait. Il parlait tout seul en râlant, quoi. Mais ça n'avance pas, pourquoi il y a tant de monde, j'ai pas le temps. Il est venu en fait pendant sa pause de midi. Bah, écoute monsieur, fais ça un autre jour, je ne sais pas. Ou si tu vois qu'il y a trop de monde, parce que même son collègue est venu le chercher en faisant... J'étais mort de rire. Et tout ça pour râler parce qu'il avait eu des frais, parce qu'il n'avait pas payé sa facture. Enfin, qu'il l'avait payé en retard. Donc il se plaignait au monsieur en disant oui, mais je l'ai payé. Il dit oui, mais vous ne l'avez pas payé dans les temps. Donc vous avez eu des frais, ce qui est tout à fait normal. Mais non, parce que je l'ai payé. Il dit oui, mais vous l'avez payé trop tard. Et ça a duré comme ça pendant 10 minutes qu'il se plaignait de sa facture, quoi. Alors après, le monsieur, le vendeur, il lui disait si vous aviez pas votre salaire à temps, vous râleriez aussi. Oui, mais, il n'y a pas de mais. Tu payes tes factures, point. Sinon, tu viens pas râler parce que tu as. Donc, il a poireauté presque une heure aussi, hein, et en râlant pendant sa pause de midi, donc à mon avis, il a certainement pas eu le temps de manger. Tout ça pour se plaindre pour une facture qu'il n'avait pas payée, enfin qu'il avait eu des frais parce que c'était une facture qu'il n'avait pas payée à temps. C'est vraiment débile. Et derrière nous, il y a encore un couple arabe, je ne sais toujours pas de quelle origine, qui était là avec 3 petits garçons. Des terreurs. Les 3, des
terreur. Mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux! Oh! Et ils avaient tous les trois des yeux verts. Mais même vert-gris comme ça. Magnifique. Alors, encore une fois, les parents n'étaient pas très laids non plus, hein. Mais ils étaient sublimes. Alors, le tout petit, en plus, il avait les cheveux tout frisés. Mais frisés, style afro. Je savais pas que les Maghrébins pouvaient avoir ce style de cheveux. Je n'avais jamais vu. Mais une terreur. Une terreur, mais en même temps, adorable. Je sais pas comment vous expliquer. Il me regardait, il me faisait. Comme ça, quand il écoutait pas trop son papa. Et puis, je regarde les parents, puis je dis. Oh là là, vous avez trois terreurs, mais alors qu'est-ce qu'ils ont des beaux yeux, ils sont magnifiques. Alors le papa était tout fier. Oh merci madame, franchement ils sont tous les trois magnifiques. Ils étaient trop beaux. Oui, moi ça, il m'en faut peu, hein, mais voilà, voir des beaux enfants comme ça, j'adore ça. Bon après c'est vrai que les parents, on voit que les gènes aident bien quand même, hein, parce que les deux couples, ils étaient sublimes là. Aussi beau l'un que l'autre. Voilà. Donc ça c'était pour le samedi. On en a eu marre. J'avais hâte de rentrer. Elle fait que des conneries. Et Riley est infernale. C'est encore pire que d'habitude. Je sais pas ce qu'elle a. Je la supporte plus. Je vous jure, là, je la supporte plus, quoi. Elle gueule toute la sainte journée, elle fait connerie sur connerie, elle n'écoute plus rien. Pourtant, elle est censée sortir de la crise d'adolescence bientôt, là, au mois d'octobre. Elle a 2 ans. J'espère que ça ne va pas me faire comme Enzo et durer 3 plombes sa crise d'adolescence, parce que je crois qu'elle va finir en kebab avant la fin de l'année. Elle est insupportable. Elle n'arrête pas d'attaquer le petit, même le gros. De toute façon, dès que le gros il bouge, elle lui saute dessus. Il ne peut plus rien faire, le pauvre. Enfin. Dimanche, j'ai reçu. Alors, j'avais commandé une clé Wi-Fi pour essayer de débooster ma connexion sur le PC. Donc, j'ai acheté une clé Wi-Fi pour me mettre en Wi-Fi pour que Sam puisse retourner en haut avec sa PlayStation. Sauf que en haut, ça change, mais pas assez pour lui, pour sa PlayStation. Ben, j'ai dit oui, mais c'est pas le PC alors, puisque c'est un problème de Wi-Fi, pas à cause de mon ordinateur. Alors oui, j'ai 8 mégabytes, 1000, 8. Je pompe toute la co quand je suis branché, je suis d'accord, mais là j'étais en Wi-Fi, j'avais débranché, donc j'étais à 100 à la place de 1000, quoi. Et lui, il avait encore du mal à se connecter. Ben, je dis, soit c'est un problème de Wi-Fi, soit c'est un problème de ta PlayStation qui n'est pas au bon endroit et qui capte mal. Donc maintenant, on attend le booster de Wi-Fi. Mais pendant ce temps-là, je me tape la grosse télé sur ma table. Je n'en peux plus. Et donc, moi, j'avais commandé la clé Wi-Fi, là, que j'ai reçue, qu'on a testée de plusieurs façons avec Sam pour essayer de lui faire avoir un maximum de connexion en haut. J'avais commandé aussi une clé Bluetooth, puisqu'il n'y a pas le Wi-Fi ni le Bluetooth sur mon PC. Hein. Voilà. Moi, je suis habitué avec les Mac qui ont absolument tout. Ben, ce n'est pas le cas avec tous les PC. Du coup. Je dis, je vais l'installer demain, donc le lundi. Je vais voir ça. En fait, c'est juste parce que comme il n'y a pas de prise, enfin, il y a une prise audio sur l'écran, mais j'arrive pas à avoir la sortie sur l'écran. Ou alors, il faut que je fasse plein de réglages et tout ça. Et sur la barre de son, il n'y a pas une prise jack pour passer du son haut-parleur au son écouteur. Ce qui est un peu dommage. J'aurais dû regarder à ça aussi, mais bon. Et du coup, ma tour, elle est quand même assez loin, donc le fil des écouteurs, il n'est pas assez long. Je me tape dedans et tout. Donc, je m'étais dit, je vais prendre une clé Bluetooth, comme ça, je peux connecter mes Samsung Airbuds, là. Donc, hier, je veux pour installer ça, pour quand Chéri regarde la télé le soir et que moi je puisse écouter soit une vidéo, soit le son de mon jeu, tout simplement. Enfin, pas entendre ce qu'il écoute lui à la télé parce que c'est jamais des trucs qui m'intéressent. Hier, c'était de la Formule 1, je crois. C'était pas très intéressant. J'ouvre la boîte, rien. Il n'y avait rien dedans. Ah, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai cherché pendant 2 heures dans la maison quand même. Je me suis dit, je l'ai ouverte. Je me souviens pas que je l'ai ouverte. Parce que comme je perds la boule, j'ai fouillé partout. Pas de clé Bluetooth. Je dis, la boîte est vide, quoi. J'ai demandé à Sam quand il s'est levé, je dis, on est d'accord que t'as pas touché. Ben non.
Non. J'ai demandé à chéri quand il rentrait du boulot. Non. Oui, j'ai demandé un remboursement. Bon, il l'a accepté tout de suite, mais maintenant, ça la fait pas, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui prouve que je dis la vérité, quoi? Vous voyez? J'aurais très bien pu sortir la clé et puis me faire rembourser, mais bon, personnellement, je n'oserais pas le faire. Je suis trop honnête pour ça, hein. Il y en a qui ne se gênent pas, quoi. Donc j'espère qu'ils vont accepter mon remboursement après en voyant que la boîte allait vite. J'ai bien expliqué que ça m'était jamais arrivé, qu'elle n'était pas sous blister. Il y avait une petite tache sur la boîte, vraiment bah, comme si on avait ouvert la boîte. Et elle n'était pas scellée en fait. Donc c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit ça m'est jamais arrivé. Si. Et après je me suis dit bah si en fait ça m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans avec le cadeau. J'avais acheté Animal Crossing à Manon pour son anniversaire sur la Switch. La cartouche n'était pas à l'intérieur, quoi. Alors que la boîte a été sous blister, hein, donc là personne n'a pu l'ouvrir pour prendre le truc. La boîte était sous blister. On l'ouvre. Parce que, en plus, heureusement, parce que je lui dis, ouf, comme ça je vois à quoi ça ressemble une cartouche de Switch, quoi, parce que moi j'en avais jamais vu. Ben, heureusement que j'ai fait ma curieuse. Elle l'ouvre, il n'y avait rien dedans. Je dis, pardon. Donc ben, là, du coup, je l'ai repris tout de suite avec à la maison pour refaire un retour. Et, là, il me l'avait renvoyé. Ben, j'ai montré qu'il y avait bien le blister et tout, mais c'est sur parole, quoi, vous voyez, parce que bon, rien ne prouve que je ne l'ai pas enlevé pour prendre des photos. C'est. Mais bon. Je me prends la tête pour rien, hein, parce que j'ai rien à me reprocher, mais ça la fout mal et j'ai pas envie qu'on pense que je suis malhonnête ou des choses comme ça, quoi, vous voyez, donc. Oui, je me stresse pour rien. On est d'accord, c'est le résumé de ma vie. Donc voilà. Hier matin, bah, je me suis levée encore à 5 h à cause des chiens. Je dors presque plus en ce moment. Bah, je vais me coucher hyper tard à cause du jeu. Et je me lève super tôt à cause des chiens. Là, je suis vraiment épuisée. J'ai hâte d'aller me coucher. Là, j'ai du mal à tenir éveillée. Mais j'ai pas arrêté, j'ai fait du linge, j'ai fait du rangement dans la cuisine, j'ai essayé de ranger un peu ici, mais alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un pendant ma sieste qui vient foutre le bordel dans la maison, c'est pas possible. Mais Georges n'a pas eu école puisque le matin c'était des révisions ou un pseudo-examen, je ne sais plus, qu'il n'avait pas besoin de passer parce qu'il a eu des beaux points toute l'année dans le cours. L'après-midi, normalement, il va voir maths et gym, enfin sport, et du coup, le prof de maths n'était pas là, donc il avait que sport. Alors, il ne va pas aller à l'école pour 1 heure de sport, en sachant que l'heure, elle était à 3 heures, qu'il avait un bus à 1 heure, donc il aurait dû pouvoir rôter 2 heures devant l'école, pour aller faire 1 heure de sport et repoir rôter 2 heures devant l'école, enfin non, 1 heure et demie, pour avoir le bus, quoi, pour revenir. Un peu con, hein. Et là, il est parti à l'école. Chéri a essayé de. Il a mis la douche, puisque les joints des galets du côté douche sont terminés. Donc, il a mis. Je crois que c'était dimanche. Il a mis le rideau. Comme il a essayé de fixer un rideau de douche comme il a pu, pour qu'on puisse se laver avant de mettre la paroi. Parce qu'il veut mettre la paroi qu'en dernier, pour être sûr de ne pas la griffer ou la casser en faisant les travaux. Ouais, mais sauf que ben du coup il a été à la douche et ça coulait le long de mon canapé, sur mon canapé en fait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, pourquoi ça coule là? Et en fait le niveau du mur du salon, c'est le niveau pile de la douche, la fin où il y a la paroi normalement qui n'était pas encore mise et c'est pas isolé en fait en dessous de la chape encore, puisque c'est la paroi qui va faire l'isolement total quoi. Du coup, ça coulait. Donc hier, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets pas la vieille paroi? Elle est plus basse parce que c'est pas une de douche, c'est une de baignoire normalement. J'ai en attendant, même quitte à remettre le rideau de douche par devant, pour être sûr de ne pas éclabousser et que ça coule pas vers le dessous. Comme ça, ça isole quand même un maximum pour l'eau, quoi. Donc il a fait ça hier et ce matin, ils ont été tous les deux à la douche et c'était bon. Ça coulait pas.
Et moi, hier, j'ai refait ma patine, mais je l'ai fait à l'évier, parce que j'ai pas osé aller à la douche. Donc, je me suis lavé en bas, comme les mamies. Et j'ai fait ma patine aussi. Ça a redéjauni un peu mes cheveux. Ouais, j'aime bien quand je fais la patine. Là, c'est la rose, hein. Enfin, la rose. Mais bon, une fois que mes cheveux naturels auront bien repoussé, je repasserai à la grise. Mais là, pour l'instant, je pense que pour le printemps-été, celle-ci conviendra très bien. Donc, voilà pour le week-end. Ouais. Ah oui, puis j'ai fait mon montage du unboxing Temu et j'ai envoyé le mail à la personne de contact que j'ai pour validation avec la vidéo. Et je dis comme ça, je peux vous la poster lundi ou mercredi. Sauf que ben, j'ai reçu un mail automatique en réponse que la personne elle est en congé jusqu'au 12. Donc il ne saura pas me la valider pour mercredi. Donc je vais voir, j'espère qu'il la validera vite pour vous la mettre vendredi. Donc logiquement, vous l'avez déjà eu. Sinon, ce sera la semaine prochaine, ben, quand elle sera validée, quoi. Je vous donne pas de date. Là, je me tâte même. Je suis tellement épuisé que je ne sais même pas si j'arriverai à filmer des vidéos de remplacement. Je devais aller filmer ce matin. J'étais motivé à 5 heures. Mais à 6 heures, je ne l'étais plus du tout. Et là, je crois que vous voyez à mes yeux que je suis explosé, quoi. Mais bon, dormir 3 heures par nuit, là, pendant de nouveau presque une semaine, c'est. Attendez. Ma madame, elle a faim sur mon jeu. Je la nourris. Je donne des œufs au plat. J'adore ce jeu. Oh, c'est trop bien. Du coup, je vais l'offrir à mon frère parce que mon frère le voulait aussi pour son anniversaire. Et comme ça, on pourra jouer à deux. Je ferai une partie avec lui pour jouer quand lui, il est là. Après, j'aime bien jouer en solo, mais quand c'est avec des gens que je connais, c'est moins dérangeant que. Avec des inconnus, ça j'aime pas trop. Moi j'aime bien les jeux solo, hein. J'aime bien être dans ma petite bulle. Je parle à mon personnage, je parle à mes gugus, je parle aux méchants, enfin j'engueule les méchants plutôt. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que je vous montrerai un peu le jeu dans la semaine, pas aujourd'hui parce que là, je joue pour tenir éveillé, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai pas le courage. Là je joue pour tenir éveillé jusqu'à ce que le facteur y vienne. Je reçois une commande Temu l'après-midi aussi. Du coup, je vais diviser en deux parties parce que j'ai encore fait deux commandes. Faut que j'arrête. Vraiment que je me calme, mais. Voilà, c'est des fringues. Je voulais absolument. Parce que j'ai beaucoup de gilets pilou-pilou ou de grosses doudounes pour l'hiver. Mais j'ai pas de gilet en fait pour faire veste par un temps pareil. Donc, soit je me trimballe en pull. Et hier, j'ai eu. Hier. On a eu des super températures tout le week-end. Hier, il faisait dégueu. Il faisait froid. Bah là, j'ai encore froid, hein, je suis gelé. Mais c'est la fatigue. J'arrive chez Akiné, je sors de la voiture, une douche. Et j'avais rien mis sur mon dos, j'avais juste un pull. Donc après, j'étais humide, j'étais gelé parce que l'humidité m'a donné froid. Donc, du coup, il me fallait une petite veste, quoi, gilet qui fait veste en même temps. J'en ai commandé un hier, enfin, non, avant-hier. Et là, j'en ai recommandé un autre aujourd'hui. Bah, c'est pas du tout le même modèle. Hein. Et puis, j'ai recommandé un leggings, deux t-shirts. Faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Et sur AliExpress, j'ai commandé parce que. Ils étaient sur Temu, mais je ne pouvais pas les commander seul. Il fallait que je refasse une commande à 25 euros. Donc, je les ai commandés sur AliExpress. C'est des boules pour les mouches. C'est des boules autocollantes. Vous savez, on a les rubans, là. Donc, ça fait tellement dégueu dans la maison, mais qu'on est obligé d'en mettre partout, nous, ici, parce que avec le champ juste derrière, les animaux, la bouffe des titis et tout ça, ben, forcément, on a plein de mouches. On a même des grosses mouches. Là, je ne sais pas d'où ce qu'elles viennent. Ça commence à me pomper. Il y en a plein. On a des guêpes, on a enfin, beaucoup d'abeilles aussi, parce qu'il y a un nid d'abeilles pas très loin de chez nous. Bon, les abeilles, ça ne me dérange pas du tout. Hein. En principe, je les fais sortir, quoi. Mais je ne m'amuse pas à faire sortir toutes les mouches. On est d'accord. Et la dernière fois, bah, chérie s'est fait attaquer dans le jardin par un frelon comme ça. Et on en a qui sont déjà rentrés aussi et tout. On a pas mal de bourdons aussi en été. Mais ça devient plus rare. Hein. Les bourdons et les abeilles, ça devient rare maintenant. Et les criquets. Qu'est-ce qu'on a des criquets qui rentrent dans la maison en été? Parce que comme là ça va, on a de nouveau la moustiquaire, mais quand on laisse la fenêtre de la cuisine ouverte,
elle est tellement grande que le criquet il saute en fait. Alors après, moi j'ose pas les toucher. J'ai une peur panique des criquets. C'est pas qu'ils me font peur ou quoi que ce soit. Voilà, je sais que c'est des bestiaux qui. Ça craint rien. Mais ils sautent, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller, ni à quelle hauteur, ni à quelle longueur. Donc j'ai toujours peur qu'ils me sautent dans les cheveux, des choses comme ça, quoi, voyez, ou dans la tronche. Donc voilà, j'aime pas. Et je veux pas les toucher à main nue. Je touche pas les blattes non plus. Oui, je me suis rappelé que j'avais des blattes il y a pas tellement longtemps, les pauvres. Et c'est costaud ces saloperies là, ça fait des mois que je leur ai pas donné à bouffer. Je les avais complètement zappés, j'avais oublié qu'il y avait les blattes. D'ailleurs, il faudrait que j'en donne un peu aussi. Enfin, voilà, mes misères. Ah oui, et du coup, comme j'ai dû renvoyer la boîte de la clé USB, enfin, ouais, de la clé Bluetooth là que j'ai jamais eu, et qu'il n'était pas dedans. J'ai recommandé à la place un câble jack, une rallonge pour câble jack, comme ça je pourrais brancher mes écouteurs et je serais pas emmerdé. J'aime autant les trucs en Bluetooth. En Bluetooth, j'aime pas ceci, je m'en suis jamais servi. Hein. Jamais. Je pense que je vais les mettre en vente. On en a deux paires en plus, hein, parce que chérie en a eu aussi. Je vais les mettre en vente parce que on s'en est jamais servi. J'aime pas parce que ça fait un décalage son. Et moi, les décalages son, c'est un truc qui me stresse au plus haut. Au point et un décalage son des fois d'une microseconde, je le vois et après je suis fixé là-dessus, je n'arrive plus à suivre ce que j'écoute parce que je vois que ça, le décalage son, quoi. Enfin, bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais essayer de tenir éveillé jusqu'à l'arrivée de facture, je vais me refaire un cas, il me reste 1 heure à tenir. C'est vrai, j'ai faim, manger des petits gâteaux. Je vais manger un peu. Quand le facteur est passé, je mange mon repas de midi et je vais me pioter. De toute façon, mon colis Temu est toujours par colis privé et eux, ils n'arrivent pas avant 4 heures minimum. C'est, je pense, 5, 6 heures, voire même des fois 9 heures. Elle est grosse cette mouche-là. Je t'ai vexé, pardon. Et la boucle des titis, ça attire beaucoup. Hein. C'est que des fruits, des légumes frais. Et des mouchettes de fruits. Là. C'est pour ça que j'ai commandé les boules. Oui, mais j'ai même pas fini de vous raconter ça. Donc j'ai vu ça sur Temu de base. C'est des boules en fait collantes comme les rubans, sauf que c'est en forme de boule et que vous avez une grosse ventouse pour la fixer dans des endroits où vous pouvez la camoufler en fait. Et ça fait moins dégueu que un ruban qui pend, quoi. Comme ça, je me suis dit, je peux en coller un contre ici au mur ou à la poutre près de la cage des titis pour vraiment les mouchettes de fruits et les mouches qui viennent autour de là. En mettant un à la cuisine, en mettant un dans le salon, ça se verra à peine, quoi. Parce que là, les rubans. Ouais, j'en ai mis qu'un à la cuisine aussi en ce moment. J'ai la lampe bleue aussi. Mais les chiens en ont peur. D'ailleurs, je pense que je vais l'allumer un peu là. Mais bon, je vais encore faire des bonds aussi parce que c'est effrayant quand il y a des grosses mouches qui rentrent dedans. Enfin bref. Bon, allez, sur ce, on suit le jour.
Alors, il est 10h. Voilà que je me pose un petit peu. Je suis occupée à faire mon rangement et mon ménage comme je peux, hein, parce que là, je commence à vraiment avoir mal. Je suis en train de tester le nettoyeur Karcher que Chérie m'a acheté. Alors, ça va bien pour enlever les taches parce que j'ai pas besoin de frotter, voyez, de me faire mal en frottant. Mais ça me fait mal l'épaule parce que c'est quand même assez lourd. Alors, je dois le tenir à deux mains et je suis là comme ça avec mon petit nettoyeur balai. Mais ça nettoie plutôt bien. Et l'avantage, c'est que comme ça humidifie juste le sol, ça sèche super vite. Donc, voilà. Là, je vais achever de nettoyer. Par contre, ça fait un peu des petites traçounettes. Mais c'est pas évident vu que c'est deux rouleaux comme ça et qu'il y a un écart entre les deux. Du coup, ça fait deux bandes. Donc là, à chaque fois, il faut repasser partout. Et tant que je suis en train de faire ça, je lance des œufs à éclore sur mon jeu. Voilà. Et là, je me suis dit, je vais me poser 5 minutes avec vous parce que sinon, je vais oublier. Je ne prendrai pas le temps de vlogger. J'ai reçu la gourde Air Up. Donc, c'est pas une vraie, hein, c'est une AliExpress parce que le prix de la vraie, je vous ai dit, 60 ou 70 balles pour une gourde, c'est juste pas possible. Donc, je vais attendre que Sam se réveille pour qu'il la teste. Non, c'est 11h qu'il est. Ah non, il est 11h, pas 10. Je vais attendre que Sam se lève pour qu'il teste avec vous. J'ai reçu ma nouvelle souris. Oui, j'arrête pas d'acheter. Mais bon, j'avais acheté l'écran, le clavier et la souris. La souris sans fil, le clavier sans fil. Sauf que la souris, comme le truc USB, il est là. Des fois, elle perd la connexion. Donc, je dois m'exciter dessus pour qu'elle reprenne. Et là, j'ai racheté une câblée. Bon, j'en avais une, hein, mais c'est juste que je voulais une blanche pour aller avec. Vous ne la verrez pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Oui, mon bébé. J'ai fait sortir un peu les chichous, comme vous avez pu voir. Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous mettre le son. Parce que Riley fait un bordel pas possible. Alors, c'est extrêmement énervant. Et hier, on a reçu le booster de Wi-Fi. Une bataille avec ça, avec ça. On n'arrivait pas. Bah, Riley, elle éternue, elle se tape la tête dans le carreau. On n'arrivait pas à le régler pour capter le Wi-Fi, tout simplement. Il ne voulait pas se synchroniser à la box. On s'est un petit peu énervé avec ça. Chérie, il rentre. Il teste deux fois, ça n'allait pas. Troisième fois, c'était bon. Voilà, et nous, on s'est énervé. Parce que comme s'il a eu cours hier, on s'est énervé de quelle heure à quelle heure? Longtemps à longtemps. De longtemps à longtemps, je vous jure. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Et on appuyait sur un bouton et sur un deuxième. Et on attendait que ça clignote. Et je n'en pouvais plus. Je dis, pourtant, c'est un truc qui est censé être super simple. Et pour finir, je me suis dit, mais si je me mettais en Wi-Fi sur mon PC, peut-être qu'il captera mieux le booster, captera mieux le Wi-Fi si je ne suis pas connectée. Bon, après, je passe de 1000 MB à je ne sais plus combien. Là. Ça change. Ah non, ça change rien pour mon jeu en tout cas. C'est déjà pas mal. J'ai fait... hier, j'ai tourné les... Comment ça s'appelle? Les coloriages terminés numéro 3. J'ai fait le montage. Donc vous l'aurez ce soir pour moi. Et comme je disais dans la vidéo, du coup, avec ce foutu jeu là, je suis pas prête de faire la suite. Je suis bloquée sur ce jeu là, mais c'est très addictif. Encore plus que les autres, je trouve. Mais bon, là, ce soir, je pense que les coloriages, je dors moins bien depuis que je rejoue. Tandis qu'avec les coloriages, j'étais vraiment détendue avant d'aller me coucher et tout. Donc là, je pense que je vais jouer la journée, mais que je vais essayer d'éviter de jouer trop tard le soir. 21h30, 22h grand max, il faut que je coupe. Limite, faire une heure de coloriage par derrière. Parce que ça m'empêche de dormir. Je reste calée sur le jeu jusqu'à des 1h, 1h30. Et puis à 5h, un des chiens me réveille. Aujourd'hui, j'ai pu dormir jusqu'à 6h30. Je me suis réveillée de moi-même. Il n'y en a aucun qui m'a réveillée. C'est moi qui me suis réveillée à 6h30. Mais ça m'a pas école, donc j'aurais pu rester au pieu, n'est-ce pas? Voilà. Hier, j'ai testé la douche. Douche. En fait, c'est en mode camping. Je vous montrerai après. J'irai vous montrer après.
Chérie veut pas mettre la paroi pour l'instant, peur de la casser en faisant le reste des travaux, en achevant de carreler, de mettre le sol, le meuble, tout ça, le chiotte. Donc il veut pas le, il veut pas mettre la paroi maintenant. Donc il a mis le rideau de douche. Mais sauf que le rideau de douche était trop, comme il l'a mis au plafond, ça passait un peu en dessous et ça passait un peu sur le côté parce qu'il a mis trop vers pas assez collé au mur, quoi. Donc ça goûtait ici, là, sur le canapé. Et là, il vient de nous faire un truc. Plutôt, je lui ai dit, mais la petite paroi, en attendant, tant pis, il y aura des trous, mais après, ils seront cachés derrière la barre de l'autre paroi, quoi. J'ai dit, ou alors, tu mets la barre de la grande paroi, tu regardes si les trous déjà correspondent avec la petite et que tu pourrais la mettre en attendant. Ou alors, tu te sers de la grande barre pour essayer de fixer la paroi à l'intérieur, quoi. Non, il a voulu faire un système D avec son rideau de douche là. Je vous jure, c'est en mode camping le bazar. Alors on doit racler toutes les 10 minutes. Parce que comme l'eau elle part sur l'extérieur et comme il n'y a pas la vitre pour la rediriger vers l'intérieur. Là, je pense qu'il faudra qu'il la mette un tout petit peu de biais pour que l'eau elle s'écoule, je sais pas. Il faut attendre que mon frère y vienne et qu'il voit. C'est pas normal que ça fasse une flaque comme ça sur la douche, ou alors c'est l'évacuation qui est pas assez trop troutée. Mais bon, si l'eau elle part bien ailleurs, hein, et quand on racle, elle part direct, donc c'est pas l'évacuation. C'est vraiment, ils ont pas fait une pente assez. Ou alors ça fait un petit bassin, ça, bon, ça c'est les risques. Mais je pense que la pente est pas assez pentue. Voilà. Bref. J'attends de recevoir une commande Temu là pour pouvoir filmer le hall. J'ai toujours pas eu de réponse de l'autre là pour le partenariat, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir publier cette vidéo. Ça m'énerve parce que moi j'aime bien que ça soit. Mais bon, il était en congé, donc le temps qu'il réponde à tous les mails en retard, enfin du temps qu'il n'était pas là. Mais je voulais la poster vendredi, mais je pense que s'il ne me répond pas jeudi, j'espère que je vais recevoir aujourd'hui ou demain le colis que j'attends Temu là pour filmer le hall, pour avoir quelque chose à vous poster vendredi. Sinon, bah, il n'y aura pas de vidéo, hein, écoutez. Parce que j'ai pas accès à mon bureau pour l'instant. Donc je peux même pas filmer un make-up, je peux pas faire grand-chose. Donc j'ai eu une idée pour faire un coloriage monochrome. Donc je pense que je filmerai la vidéo. Je vais aller voir mon suivi Temu et je clique sur YouTube, moi. Ah, la fille. Complètement accro à YouTube. Bien que ça fait des semaines que j'ai pas regardé une vidéo, à part celle de Manon. Même les crimes et tout ça, pour l'instant, je regarde plus rien. Je suis à fond sur ce putain de jeu, là. Donc, une fois que j'aurai reçu cette commande-là, parce que j'en ai reçu une que j'avais fait après, hein, déjà. Là, il est toujours en dédouanement terminé. Et si je ne l'ai pas demain, j'ai les 5 euros. Je les ai eu qu'une fois jusqu'à maintenant. Mais là, avant, c'était quand même. Je recevais, quand ils donnent une tranche de date, je recevais en principe le premier ou deuxième jour. Par exemple, là, j'aurais dû être entre le 5 et le 12. Avant, je l'aurais reçu avant le 8, quoi. Maintenant, en principe, c'est souvent le dernier jour. Alors, c'est totalement pas de leur faute, hein, on est d'accord, mais. Donc ça c'est pour tourner le premier hall. Après j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 commandes. Mais là j'en ai fait une hier soir pour Sam. Voilà. Je lui ai pris deux pulls, un jogging et un bonnet en satin pour ses cheveux aussi pour dormir. Je lui ai pris un noir à lui. Parce que je trouve ça tellement pratique. Vous voyez là je me suis pas coiffée. Bon oui j'ai les bébés cheveux hein, mais ils sont pas emmêlés, rien. C'est trop pratique ce truc. Et puis, alors moi, razzia de fringues. Hein. Deux gilets. Attendez. Deux pantalons. Deux t-shirts. Un pull. Que j'attends encore. Deux pulls. Que j'attends encore. Hein. Et j'ai déjà reçu un top. Ça, j'ai pas encore reçu. Mais il y a deux pulls. Enfin, un top, un pull plutôt. Là, j'ai trois pulls et une paire de godasses.
suis dans ma passe pull, vous savez, les petits pulls en manches raclant comme ça que j'adore là. J'arrête pas à en commander. J'en ai pris un beau avec des renards. Mazette, il est trop beau. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse là pour l'instant. Et tout à l'heure, si genre je ne lève pas trop tard et que moi je ne suis pas encore à la sieste, il testera avec vous la gourde. Sinon, je vous montrerai quand je serai levé de la sieste parce que je sais pas à quelle heure il va se lever. Mais bon, là pour l'instant, je ne suis pas fatigué. Tant que je ne mange pas, ça va aller. Une fois que je vais manger, je serai foutu. Donc là, je vais achever de nettoyer. Ils m'ont encore fait tomber mon coussin, je le vois en vision périphérique. Mon coussin Harry Potter est de nouveau par terre. Là, ça fait 7 fois que je le ramasse depuis ce matin. Hein. J'ai mis tourner le plaid. Ah oui, il faut que je mette sécher ça aussi une fois que j'aurai nettoyé là. Ça ira, elle retourne dans son tiroir à jouets, elle va me les foutre partout. Elle n'aime pas quand c'est rangé. Elle ressort tous ses jouets une fois que j'ai fini de nettoyer. Là, j'ai pas fini donc qu'elle attende encore un peu. Hey. Ma bonne femme, elle a de nouveau faim. C'est un trou sans fond, ce personnage-là. Elle est tout le temps en train de bouffer. Bref, allez, je vous reprends tout à l'heure, en tout cas, au moins pour vous montrer la super douche de fortune qu'on a. Mais comme ça, vous verrez le rendu à peu près de la douche finale. Voilà, je vous montre ma magnifique douche. C'est très classe. Voilà, on n'est pas du tout en mode camping. Pas du tout. C'est hyper classe. Vous êtes jaloux. Ouais. Vivement que la vitre est mise quand même. Bon, sinon, c'est joli, hein. Le carrelage, les petits galets. Voilà. Et vous voyez où c'est un peu plus gris là, plus foncé. Ça n'a rien à voir, hein, c'est les galets qui sont comme ça. Mais du coup, c'est là un peu que ça stagne l'eau. Je ne sais pas pourquoi. On verra quand Monsieur Frère viendra voir. Voilà. Bon, je reprends tout à l'heure pour que Georges teste sa gourde. Voilà, il est en train de tester sa gourde, on ne voit pas. Il me dit, soit je sais pas comment ça va, soit... Bonsoir, moi je sens rien. Eh ben, il n'y a pas un papier explicatif sur la boîte? Je sais pas. Ah bah... Pourquoi lire les explications? Parce qu'il y a peut-être quelque chose à activer sur la pastille, quoique, bah non, parce que l'odeur, elle est quand même bien présente. N'utilisez pas le produit si ça devient dangereux. Et avant l'utilisation des pièces, doivent être nettoyées à l'eau. Ne mettez pas dans le bouillon. Pas de création carbone. Le poisson qui tue, vous pouvez ça avec de l'acide. C'est avec de l'acide. Tu vas peut-être maigrir. Ne remplissez pas la gourde avec de l'acide. Jure! Je sais pas trop qui aurait eu l'idée, mais au moins ils préviennent de pas le faire. Ben moi je vois pas pourquoi c'est. Bon, fais-moi péter ta gourde. Ben, après c'est psychologique, t'es pas sans savoir le goût, hein, c'est juste psychologique. C'est pas la vraie non plus. Bah bon, c'est le même principe que les autres. Là, c'est un goût d'eau. Par contre, c'est très 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 ressemblant. Hein. Moi, je manoche. Effectivement. Pourtant, la pastille, elle sent fort. Hein. Tu dois peut-être sentir avant de boire. Alors. Je viens de se mettre la paille presque dans le pif. Après, moi je me dis, deuxième hypothèse, soit il y a un truc à activer, bon bah écoutez, on va switcher le jour parce que là c'est pas très intéressant ce que Georges fait. Bah ouais, surtout que vous le voyez pas, il vous a même pas dit bonjour. Et voilà, s'il y en a qui utilisent AirUp, dites-nous en commentaire si ça marche, enfin, ce que vous en pensez et tout ça, tout ça. Voilà.
Après, à tout moment, c'est juste la sous-marque qui est nulle. Je vois pas le rapport, c'est des pastilles qui sentent, hein. C'est le même principe. Hein. Ouais, mais il me semble que sur les vrais gourdes, t'as un truc à activer. Bah peut-être, mais si tu lis pas. Et... Allez, on va essayer de trouver une solution. Alors, il est 10h. Je l'ai. Je n'en peux plus d'avoir froid. Mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Mais je les ai pas lissés, rien. Je les ai juste lavés. J'aime bien, ils ont une belle couleur avec l'éclairage. Donc, hier, je vous ai pas pris parce que, bah, migraine. Encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant mal la tête. Comme je disais à Manon hier, après que les travaux, ça fait de la poussière. Ce qui me fait beaucoup tousser. Je pense que c'est ça, parce que je tousse, on ne sait pas pourquoi, je ne suis pas malade. Donc, mais je tousse énormément, surtout dans ma chambre. Et c'est là que chérie a stocké ben, tout ce qui est colle pour le carrelage et tout ça, mais c'est en poudre. Donc je pense que c'est ça qui me fait tousser, ça, plus bon, ben, quand il disque et tout ça, ça fait de la poussière. Et comme tout est soit stocké dans ma chambre ou que la salle de bain n'est pas loin de ma chambre, donc tout se passe, même que la porte est fermée, hein, la poussière elle passe quand même, il suffit qu'on rentre, bah, qu'il aille chercher un paquet justement de colle ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est ça qui me fait tousser, et je pense que c'est la toux qui me donne la migraine. Mais ça, ma doctoresse elle me l'avait dit la dernière fois, et j'ai oublié de vous le dire, parce qu'elle m'a dit de tousser beaucoup comme ça. Ça joue sur le cerveau, quoi. Et quand on est migraineuse, ça peut déclencher des migraines. Donc je pense que ceci explique cela. Je ne sais pas trop, mais voilà, j'en ai marre de tousser et j'en ai marre d'avoir mal de la tête. Là aujourd'hui, je reçois la commande Temu que j'attendais pour vous filmer le haul. Alors hier, j'ai enfin eu, donc vous avez déjà eu le unboxing Temu. Comment ? Je ne sais plus ce que je vais vous dire. Oui, il m'a enfin répondu pour... donc, il a vérifié ma vidéo avant que je la publie et tout ça. Et il m'a fait supprimer toute la partie où je vous disais que c'était un partenariat, que j'ai eu droit à 100 € de produits, que je vous expliquais qu'il y avait 55 € dans une partie, une centaine d'articles présélectionnés. Et que j'avais droit à 45 € sur le site au choix, et que j'étais rémunérée suivant mes statistiques, mes abonnés, mes vues et tout ça. Il m'a fait supprimer toute cette partie-là, quoi. Alors moi qui veux être transparente avec vous, on est obligé de mentionner quand c'est un partenariat et tout ça, je vois pas pourquoi je n'ai pas le droit de dire que j'ai eu droit à 100 € de produit et que je suis rémunérée, surtout que je ne vous ai pas donné le montant. Pour info, c'est 40 €. Voilà, c'est pas non plus... Mais voilà, ça fait 40 € que je pourrais refoutre sur Temu. Donc, voilà. Et pour mes shorts aussi, il m'a fait rajouter une notification au début, une espèce de titre, en fait, que je devais mentionner que c'était soit un crash test, soit un get ready with me et tout ça. Temu, tout simplement. Je vois pas trop ce que ça change puisque c'est quand même noté dans le titre et dans les puisque je l'avais posté aussi sur Insta et TikTok dans les enfin, sous le post quoi, ça va être noté que c'était mu, surtout que j'ai mis le logo avant chaque prix des trucs que j'ai testé et tout ça. Bon, écoutez, j'ai fait comme il m'a demandé, c'est pas ma façon de faire. Il n'y a rien qui change, c'est pas non plus, il m'a pas non plus bridé dans ce que je dis, hein, mais voilà, il a juste voulu que je coupe cette partie où je vous expliquais que c'était 100 € de produits gratuits et une rémunération. Donc, je vous le dis ici, voilà, là il viendra pas vérifier, je vous le dis ici et puis c'est tout, voilà. La prochaine fois je ferai au plus simple, je vous montrerai juste les produits sans explication. Sur le pourquoi du comment. Si j'en ai un autre, voilà, je ferai au plus simple, je vous montrerai juste les produits, les prix, et je vous dirai ce que c'est, hein, puisque c'est tout. Voilà, sinon c'était un peu chiant parce que j'ai dû refaire ma vidéo, la remettre en ligne.
Oui, je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Je sais plus à quelle heure j'étais couchée. Minuit, je crois. Et je me suis levée à 6h30 avec le réveil, donc... incroyable. Voilà, maintenant, je ne sais pas si mon frère vient... Putain, il fait tout noir, là, d'un coup, tout. Je ne sais pas si mon frère... j'ai pas de nouvelles de mon frère, donc je ne sais pas s'il vient aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure, rien. J'espère, parce que... Chéri, il faut rien de la semaine, ça devient épuisant. Alors je sais, bon, il a sa journée de boulot qui est assez fatigante, pas physiquement parce qu'il est assis sur une chaise, hein, mais il doit se concentrer sur tout, il doit récupérer les conneries des autres et tout. Donc c'est épuisant mentalement. Et je sais que quand il rentre, il a envie d'être tranquille, mais il sera tranquille une fois que la salle de bain sera finie, quoi, parce que là, moi j'en peux plus de vivre dans le bordel. De vivre dans la poussière, j'ai beau faire les poussières, il y en a toujours autant. C'est épuisant, quoi. Et puis bon, j'aimerais bien pouvoir prendre une douche sans passer par le mot de camping, quoi. Je sais pas, vous avez vu, avec le rideau de douche, je sais pas non plus. Mais là, je vais lui dire que, à la fin de ce week-end, là, ils mettent la paroi, hein, tant pis. Qu'on puisse au moins prendre les douches normalement, sans devoir faire attention de pas bouger le rideau, de pas se coller après aussi, parce que c'est extrêmement chiant les rideaux de douche, j'ai jamais aimé ça moi. J'ai toujours mis des parois en verre, hein, même au-dessus de mes baignoires, parce que j'ai jamais aimé les rideaux de douche. Qu'on puisse au moins se laver tranquille. Et bon, j'aimerais bien que ça avance pour pouvoir ranger ma salle de bain aussi, parce que j'ai tout qui me traîne dans le couloir en haut. C'est fatigant quoi, vous voyez. Et puis il fait plus rien en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si c'est une passe ou... Je sais pas, mais ça devient fatigant parce qu'il fait plus rien. Il a plus envie, là, en ce moment. Il a une perte de motivation. Pourtant, je sais qu'il est fier une fois qu'il fait quelque chose. La dernière fois, il a collé 6 carrelages tout seul. Il était tout content. Il m'avait dit, bah, je ferai déjà ça cette semaine avant que ton frère y revienne. Comme ça, on finit de carreler les murs et puis on pourra attaquer le sol. Il a rien fait. Si, c'est quand qu'il... Bah, je crois que c'est dimanche. Parce que mon frère n'est pas venu du week-end, en fait, à part vendredi. Je crois que c'est dimanche qu'il a collé 6 carrelages et il était content. Colle 160, être encore plus content, et moi aussi. Et ça, c'est des trucs où moi, je peux pas l'aider, en fait. J'avais aidé pour faire les joints du placo et tout ça. Mais il y a d'autres trucs où je peux pas l'aider. Tout ce qui est ras du sol, tout ce qui est lourd, bah, tout ça, je peux pas faire, en fait. J'y arrive pas, donc je peux pas l'aider. Et ça, mais pas très manuel. Donc, et puis, il demande pas d'aide à Enzo, alors qu'il pourrait très bien dire à Enzo, je viens te chercher, tu viens m'aider, on colle une vingtaine de carrelages, et puis je te ramène, quoi. Tu manges avec nous, je te ramène. Mais non, je sais pas. Enfin, bref. J'ai commencé à bien ranger, là. Maintenant, j'ai encore mon carton avec le hall TMU. Parce que demain, j'ai invité ma belle-sœur à manger. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et qu'on n'a pas vu le petit. Donc, comme elle devait venir nous déposer le métranque, je lui ai dit, écoute, venez pour 6h30, comme ça vous se mangez un bout ensemble. Il faut qu'on aille aux courses aujourd'hui aussi, du coup, pour aller acheter ce qu'il faut. Parce que je voulais faire une salade de patates avec la charcuterie. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas baillé en vlog. je voulais faire ça, ouais, un plateau de charcuterie avec une salade de patates et une salade laitue, quoi. Et puis des œufs durs, quelques crevettes, vous voyez, un peu ce genre de truc, quoi. Pour que ça aille vite. Mais vu le temps, je me demande si on va pas faire une choucroute ou une raclette, hein. Mais c'est incroyable. C'est pas étonnant que j'ai froid comme ça. Là, la porte est ouverte, en plus, Ryan a ouvert la porte, mais il sait pas la fermer. Faudrait rarement que je lui apprenne à fermer ses portes. Donc, voilà. Alors, ça fait 2 jours de suite que je refais mes ongles. Et que là, je pense que je vais encore... Mais quoi que ça s'est un peu calmé. J'ai voulu retester les vernis Madame Glam. Sauf que je les ai fait avant-hier. Et j'ai oublié que je ne savais pas si la gummy base ou pas me causait des réactions. Donc, j'avais fait avec la gummy base et un vernis paillette de chez Madame Glam. Donc, forcément, ça a commencé à me démanger, à me faire mal, à gonfler... Donc, je les ai enlevés et hier, j'ai refait juste avec du vernis Madame Glam et j'ai mis du vernis pailleté par-dessus, mais c'est du ongle 24. Donc, j'ai fait ça. J'aime trop. Bon, j'ai coupé mes ongles aussi. Hein. J'ai dû les couper plus courts parce que j'en avais cassé un. Voilà, j'aime trop.
Mais je sais pas si vous avez pas regardé mes doigts comme ils sont gonflés. Vous voyez ici au niveau de la base de l'ongle, et ça me fait mal, c'est douloureux, ça gratte, et c'est les deux mains, hein. Regardez, c'est rouge, et ça gonfle. Donc j'ai beau mettre des soins et tout, là celui-là il est super gonflé, donc je pense que je vais devoir enlever, et puis je vais refaire avec du vernis classique le temps que les démangeaisons s'arrêtent, et puis je retesterai un Madame Glam pour voir si c'est bien Madame Glam ou la Gumibase. J'espère que c'est pas les Madame Glam parce que j'en ai tellement et je les adore en plus. Ça serait chiant. Surtout que j'avais pas de réaction au début, c'est depuis que j'ai eu la mycose, hein. Et ben maintenant mes cuticules elles sont hyper sensibles. Alors que j'avais jamais de problème de cuticules. Mais là c'est hyper sensible et ça gonfle et ça fait mal. Même quand je touche mes ongles comme ça me fait mal. Donc bien sûr quand on a mal quelque part, ben, on appuie dessus. C'est logique. On est un peu bête, hein. Je sais pas si vous faites ça aussi quand vous avez mal quelque part. Vous vérifiez si vous avez encore mal en fait, en appuyant dessus. C'est comme un bleu, quoi. Ah, il fait mal ou pas? Bah oui. Et ben voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. J'ai déjà fait une bonne partie de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Il me reste à monter du coup le vlog et aller aux courses. Voilà, c'est ce que j'avais prévu sur ma journée. Là, j'ai mon jeu qui est en route parce que je fais éclore mes œufs en même temps que je fais un peu de ménage. Et voilà. Les chiens ont ressorti tous les jouets. Alors oui, je vous ai dit que j'avais testé le truc Karcher là pour nettoyer par terre. Sauf que ben, il était déchargé. Et chérie ne savait plus où il avait mis le chargeur. Et bien évidemment, c'est pas un chargeur universel comme on en a 50 000 qui traînent dans la maison. Non, non, c'était un spécial. Et j'ai retrouvé ce matin. Vive Saint-Antoine de Padoue. Je sais pas si vous aussi, quand vous cherchez quelque chose, vous priez Saint-Antoine de Padoue, mais moi c'est à chaque fois, c'est automatique. Hein. Et je l'ai retrouvé ce matin, et en fait, tout simplement, il était posé sur l'imprimante au milieu de tous les autres câbles de chérie. Voilà. Mais à part ça, c'est de ma faute, hein. C'est moi qui l'ai mis quelque part. J'ai dit, si moi je l'avais rangé, je saurais où il est. Voilà, je l'aurais mis quelque part où c'était logique. Mettre un câble de chargeur d'un produit pour nettoyer le sol sur une imprimante, c'est pas logique. À la limite, tu l'auras rangé dans le tiroir de la cuisine. Là, ça aurait pu être logique. Dans le tiroir où il y a tous les chargeurs, là, c'était logique. Mais sur l'imprimante, non. Et donc Sam, là, il finit à 2h30 l'école. Aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose. Ils ont prévu un petit déjeuner ce matin et un apéro à midi. Tranquille, hein. Bon, après, c'est les examens qui commencent. Donc, et les examens, il a lundi, mardi, mercredi, jeudi, et après lundi et mercredi. Donc, je ne sais pas dans quel ordre. On verra quand il rentrera des examens la semaine prochaine au fur et à mesure. Il nous dira ce qu'il a eu. Et voilà. Bon, allez, sur ce. Quand il se couche, il est tellement blasé. Bon, quand il se réveille aussi, hein, mais quand il se couche, encore plus. Et hop, il s'installe. Normalement, il passe. Quand il dort en haut, tout le temps. Soit dans le couloir, quand il a trop chaud, soit en haut, quand il a trop froid, ou quand il veut vraiment dormir tranquille. Et là, en ce moment, il est tout le temps près de moi. Enfin, là, il reste dans le canapé. Ou alors, il se couche près de moi, par terre. Il me lâche plus en ce moment. Voilà, bon, allez, sur ce maintenant, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et ben, en attendant la prochaine vidéo, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.